Est-ce que ça record? Ça record. Holy! One of the best games déjà fait en streaming, mais là on a le vrai gameplay HD sur PC. Et ça commence direct quand je vais avoir vérifié si le jeu il est bien en français-français. On est parfait. Ça commence. Expérience équilibrée. Allez, Kratos! Hihihi! Damn! Please, PC, supporte-moi ça comme du monde, sois bien optimisé. J'en ai trouvé. Monte dans le bateau, Atreus. Gros arbres sur le port, on est bien. Waouh! C'est bon! Tu veux toujours que je l'attache au bateau? Atreus. Ça suffira. Les arbres marqués, descendre la rivière. Quelque chose a changé. J'ai l'impression que la forêt est différente. Tout est différent, mon garçon. Essaie de ne pas y prêter attention. D'accord. God of War. On va en baver sur certains ennemis, je le sais déjà. Constantin Papas. Constantin Papas.
c'était le dernier. Voilà que je vois ma mère. Voilà que je vois mon père. Voyez, les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Voyez, les voilà qui m'appellent. Elle est prête. Trouve les tiens. Tu es libre. Je suis désolée. Serre. Ce couteau, c'était le sien. Il est à toi maintenant. Il t'a appris à chasser? Oui, un peu. Montre-moi. Maintenant ? Maintenant. Qu'est-ce qu'on chasse ? Tu chasses le cerf. Où ça ? Là où se trouve le cerf. D'accord. Par là. Père, pourquoi on fait ça maintenant ? Je dois m'assurer que tu peux survivre au voyage. Après, on ira vers la montagne ? Ça dépendra de toi. Allez, qu'as-tu trouvé ? Des traces, mais pas de cerf. Je vais continuer à chercher.
Attends. Tu as raté celle-là. On se rapproche. Mais c'est pas un cerf. Tu vois? Le bout est trop large. Une chèvre sauvage, peut-être. Ta mère t'a bien appris. Oui. Voilà. De l'argent. Un bateau. Une artefact. Un petit jouet près de la maison, on en avait comme ça. Je crois qu'il fait partie d'une collection. Si j'en trouve plusieurs, ils auront peut-être de la valeur. Une carte. Compétence. Armure. Protège épaule du vœu macabre. What? Force 8, défense 4, chance 4. Aïe aïe. Vous vous êtes équipé d'une pièce d'armure contenant un emplacement d'enchantement. Les enchantements peuvent vite être placés sur les pièces d'armure et talismans dotés d'emplacements d'enchantement. Ils confèrent des bonus de stats et des atouts. Ok. Certaines pièces d'armure peuvent posséder jusqu'à 3 emplacements d'enchantement. Appuyez sur X pour sélectionner ce dont vous êtes équipé. Appuyez pour sélectionner l'emplacement vide. Faites A. Sélectionnez un enchantement et appuyez sur A pour placer. Symbole de persévérance. Défense 2. Bon, pas trop compliqué. Cette pièce d'armure est désormais équipée d'un enchantement. Vous pouvez trouver d'autres enchantements en explorant le monde ou les acheter dans les ateliers qui sont disponibles. Easy. Est-ce bien trop fort? Les bras, même affaire. En es-tu un autre? Non, on n'est pas d'autre. Damn! Quoi ça? Un effet passif, un souvenir de la défunte femme de Kratos. Défense 8, chance 12. Chance ancestrale. Défense des élus. Bouclier doré éclatant de toute la gloire du Valhalla. Grâce de vagabond. Mystérieux bouclier convoité par ceux qui suivent la voie du vagabond. Gardien de l'exil. Bouclier fabriqué par un grand tailleur de pierre de Jotunheim. Pourquoi j'ai autant de boucliers? Et menaçant que seuls les elfes noirs d'Elfheim les plus forts peuvent manier. L'âme maléfique étincelant de la forge. Damn! Il est beau lui bleu! Sinon lui aussi il est beau en or et noir. Je suis tout équipé en foncé, on va mettre les boucliers foncés. Le poignet en bois. Héritage familial. Vraiment nice. Je suis tout équipé foncé avec mon bouclier en plus. Noir et or. Dang. C'est cool ça. Je pars en éclaireur. Encore des traces? Oui. Mais elles sont trop rondes. C'est peut-être un sanglier. Bien. Oula! Et maintenant? Par ici, Atreus. Hop! Big jump. Oh. Attends, des traces de cerf, elles sont fraîches. Par ici! Pas si vite, Atreus. Désolé. Tu chasses le cerf. Ce n'est pas une course. Oui, père. Trouve des petits cadeaux un peu partout. Boom!
Il a cassé le pont. Comment on va faire pour traverser? Écarte-toi. Oui. Waouh. Vas-y. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ici? Y, ça rappelle la hache. Le voilà! Attends! Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, il va se méfier! Tu ne tires que quand je te dis que tu peux tirer. Je suis désolé. Ne sois pas désolé. Sois meilleur. Trouve-le. Trouve-le. Oh! Non! Tu n'es pas prêt! N'approche pas! Attaque puissante, attaque le. Ils s'aventurent pas si près de nos bois d'habitude. Avance. Il y a des guérisons pour restaurer la santé. Une des trois pommes d'Idun nécessaire à l'alimentation de votre santé maximale. Les pommes, c'est pour ma santé max. Total, 9 pommes sont cachées dans le monde, dans les coffres scellés, mais chemin. Dès que vous en collectez 3, votre santé maximale augmente. Il y en a 9 au départ. Ah. 3 fois, je pourrais avoir les vies augmentées. Je suis Atreus. On va pas trop se perdre pour l'instant. Holy. Là-haut! Il est entré dans le vieux temple. Mais maman m'a dit de jamais y aller. Nous faisons ce qui nous plaît, Atreus, sans exception. Dans le vieux temple. Tu peux me rendre mon arc maintenant?
tu peux l'atteindre d'ici. On devrait se rapprocher. Maman m'a emmené chasser plusieurs fois. Mais toi, t'as jamais voulu. Pourquoi le faire maintenant ? C'était ce qu'elle voulait. Et le moment est venu. D'accord. Santé, un combat de la jauge de santé des mains apparaît au-dessus d'eux lorsqu'ils subissent des dégâts ou sont visés par Kratos. Plus l'utilité, nous aussi. Ouais, comment il est arrivé sur mon dos, lui? Voilà! Ce qu'on veut, les trésors. Plein de money, money, money. Atreus, par ici. Oh, regarde, c'est Scoliati, les loups géants qui chassent le soleil et la lune. Oui. D'où ils viennent? Comment ils sont arrivés là-haut? Qu'est-ce qui se passe ici à la fin? Ils dévorent le soleil et la lune et après ça, tout le monde se bat. De là des mythes. Un mythe trouvé. Chaque fresque relate l'histoire d'un géant légendaire. Trouver toutes les fresques Jotnar. À l'achèvement, 6000 DSP par fresque 100. Damn! Ok. Ok, ça c'est la map. Ok. Yeah.
Finalement, je vais prendre les joueurs un peu. Ah, il ne retourne pas. Père, regarde. Attends mon signal. Détends-toi. Essaie d'oublier que c'est un animal. Ce n'est qu'une cible. Vide ton esprit. Détends ton bras et inspire. Expire et lâche la corde. Oh, je l'ai eu. Bien. Il est encore en vie. Non, finis ce que tu as commencé. J'y arrive pas. Respecte un peu le dieu. On va vraiment le combattre. On n'a pas le choix. Holy. Je serais pour donner à Atreus de tirer des flèches. Maintenez LT et appuyez sur vous pour viser un ennemi spécifique. Les ennemis touchés par des flèches interrompent leurs attaques contre Kratos. Le nombre de flèches qu'Atreus peut tirer est indiqué en bas à droite. Une fois tiré, les flèches mettent du temps à se recharger. Ok. Atreus, regarde-moi. Regarde-moi, Atreus. Atreus, regarde-moi. Moi aussi.
Tu n'es pas prêt. Quoi? Tu rigoles? J'ai trouvé le cerf. J'ai fait une preuve. Pourquoi je serais pas prêt? Maintenant, on rentre chez nous. J'ai pas été malade depuis très longtemps. Je sais que je peux le faire. Non, tu n'es pas prêt. Je suis prêt. Je ne veux plus t'entendre. C'est mieux de la fermer, Lynn. Le chemin vers la maison est par là. Un petit coup d'épaule. Zoom! Étourdir les ennemis. Les jours d'étourdissement des ennemis, c'est le jour de santé. Lancer une série d'attaques répétées contre l'ennemi pour infliger des dégâts d'étourdissement permettront à la jauge de se remplir. Quand les pleins ennemis étourdis, appuyez sur S pour saisir un ennemi étourdi. Les flèches et les attaques à main nue infligent des dégâts d'étourdissement supplémentaires. Kratos peut passer en mode main nue en lançant la hache ou en la rengainant en appuyant sur S. Ok. Boom! Oh, I mean, you great us. Qu'est-ce que c'est que ça, déjà? Nouveau travail, chambre cachée, une T'arrives toujours pas à ouvrir les portes, hein? Silence. Ça t'a bien dit que la forêt était différente. Et je t'ai dit de te taire. Il a dit de fermer son clapet, quoi. Si près de la maison. Et c'était quoi cette chose qui nous a attaqué? Je ne sais pas. Maintenant tais-toi. On est presque à la maison. Tout brûlé. Pas tout brûlé. Allez, rentre.
Tu t'es laissé emporter. Cette chose voulait nous tuer. Et toi, tu te mets tout le temps en colère. La colère peut devenir une arme. Si tu la contrôles, tu peux t'en servir. Mais ce n'est pas ton cas. Quand tu perds... J'ai pas été malade depuis longtemps. Je vais mieux maintenant. Très bien. Alors, vas-y. Tu veux que je te frappe ? Je veux que tu essaies. Aïe ! Pourquoi tu... Recommence. Pourquoi tu fais ça ? Tu es trop lent. Recommence. Mais arrête ! Trop mou, essaie encore. Encore. Ça suffit ! Encore ! Cette colère, tu peux te perdre en elle. La route est longue et difficile. Et toi, Atreus, tu es loin d'être prêt. C'est quoi ça ? Silence. Sors de là ! Oh, oh, oh. Ça sert à rien de te cacher. Je sais qui tu es. Qu'est-ce qui se passe? Tu le connais? Et mieux encore, je sais ce que tu es. Atreus, sous le plancher. Allez! Tu m'as toujours interdit d'aller là-dessous. Tu sais qui c'est? Je n'en sais rien. De quoi est-ce qu'il parle? Aucune idée. Rentre là-dedans. Dis-moi seulement ce que je veux savoir. Inutile de faire couler le sang. Je te voyais un peu plus grand. Mais pas de doute, c'est bien toi. Tu es bien loin de chez toi, hein? Qu'est-ce que tu veux? Oh, je suis persuadé que tu le sais déjà. Peu importe ce que tu cherches, je ne l'ai pas. Passe ton chemin. Et moi qui croyais que ceux de ton espèce étaient sages, tellement meilleurs que nous, tellement plus brillants. Pourtant, tu te caches ici dans les bois comme un sale lâche. Tu es sûr de vouloir te battre? Oh. Mais c'est bien pour ça que je suis là. Ah! Chez moi. Oh. J'ai bien peur que tu doives me tuer pour ça. Je t'avais prévenu. Enfin. Tu aurais dû écouter. Non. 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 D'accord. À mon tour. Ah, je suis terriblement déçu. Allez, amène-toi. Pathétique. Oh.
contre. Il s'en va là. Tellement lent. Bam. Bam. Bam, bam, bam. Oh shit. Ah. Ah. Dis-moi ce que je veux savoir et je te laisserai tranquille. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'is? D'ici, maintenant. Oh my god. Ah, un suplex. Ah. J'ai touché un point sensible, on dirait. Oh. Qui est-ce que tu caches? Tu es vieux et lent, tu n'aurais pas dû venir à Midgard. Bien, on remet ça? Tu parles trop. Tu refuses de parler? Très bien. La personne que tu caches dans cette maison sera peut-être plus loquace. La rage spartiate. Oh my god. C'est qui qui protège, hein? Je vais trouver. Oh my god. Damn. Oh, 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 oh. Holy. Tu pars déjà. Quand Oda m'a envoyé ici, je voulais simplement dire que les mains vous mettent. Oui, il a fallu que tu fasses mal. Tu veux me frapper autant que tu veux, je reviendrai. Ton corps va finir par lâcher. Mais avant que je l'achève, il y a une chose que tu dois savoir.
Je ne sens rien. Rien. Oh my god. Tu l'as vu de tes propres yeux, tu ne peux pas me blesser. Je suis invulnérable. Ce combat est inutile. Tu as perdu d'avance. Nous aurions pu éviter tout ça. Pas des... Tu ne peux pas gagner! Je ne sens rien! Mais toi... Tu sens tout, et pourtant, tu continues à chanter. Je suis pas comme mon frère. Si tu m'avais donné ce que je voulais, on n'en serait pas là. Mais non! Finissons-en. Damn. Tu ne peux pas me battre! Je ne sens rien. Bitch. Big again. Hell. Holy moly. Quelle scène. Pouf. Qui était-ce? Il savait qui j'étais. Est-ce qu'il connaissait mon passé? Comment m'ont-ils trouvé après tout ce temps? Faye, qu'est-ce que je dois faire? Notre fils n'est pas prêt à porter des cendres au sommet de cette montagne. Oh.
moi non plus. Je ne sais pas comment y arriver sans toi. Mais on ne peut pas rester là. Atreus. Avec tout ce bruit, j'ai cru que... Tu n'as rien. Je vais bien. Viens. Prends tes affaires. Nous partons. Je croyais que j'étais pas prêt. Tu ne l'es pas. Mais nous n'avons plus le choix. Prouve-moi que j'ai tort. Oui, père. Hey. La montagne. Ça va être un long voyage. Oui. Mais c'est important. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, pas grand-chose. Ça va normal, quoi. L'étranger. Un homme étrange couvert de tatouages venu chez nous et attaqué par... Cela dit être un sacré combat. Tout est cassé. Père pensait que je n'étais pas prêt, mais il a apparemment changé d'avis après avoir tué cet étranger. Qui était-ce? Qu'est-ce qu'il nous voulait? Nous n'avons rien de spécial. Qui c'était? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il nous voulait? On n'a rien de spécial. Tu l'as tué? J'ai fait ce que j'avais à faire. Jamais seul, d'accord? D'accord. Monte. T'as déjà tué des hommes avant, n'est-ce pas? T'as l'habitude. On fait ce qu'on a à faire pour survivre. Les animaux, je comprends. On les mange. Les drogards, ils sont censés être morts. Mais les hommes, ils essayent de survivre aussi. Tu dois fermer ton cœur. Au cours de notre voyage, nous devrons affronter de nombreuses créatures. Ignore leur désespoir. Ferme ton cœur à leur souffrance. Tu ne dois pas ressentir de pitié pour eux. Ils n'en auront pas pour toi. Je comprends. Tu crois que c'est là depuis tout ce temps? Ben. Tu veux bien m'aider à monter là-haut? J'aurai une meilleure vue. La seule chose à faire, c'est de traverser ce pont. Vas-y. C'est bon. Lista. Bonne idée. Ce saut, tu crois que c'est pour les offrandes?
Maman disait que les disciples d'Odin les remplissaient de cadeaux et les accrochaient hors de portée des voleurs. Celui-ci a l'air très vieux. Stupide. Quoi ? De vénérer les dieux ? Les dieux n'ont que faire des offrandes, et les hommes ne devraient pas vénérer des monstres. C'est faux, moi je veux les offrandes. Moi je les veux, je veux l'argent. J'ai besoin de l'argent. Père, est-ce qu'on croisera des gens sur la route? Oui. Gentil? Non. Ils essaieront de nous détrousser? Peut-être bien. Oui. Regarde. Depuis tout ce temps, la forêt tout entière était protégée par un symbole. Mais le symbole est brisé, là. C'est toi qui les as coupés. Elle avait marqué les arbres qu'elle voulait pour son bûcher. Pourquoi elle a fait ça ? Viens. Trop tard pour les regrets. Fait qu'en coupant l'arbre, c'est là qu'il m'a fait spotter. Ah! Ok, je viens de comprendre. Fait qu'elle a marqué un arbre à couper, qui a fait en sorte que le saut s'est brisé. C'est à partir de là qu'on a été détectable. That's fucked up. Combien de temps on va mettre pour atteindre la montagne? Je ne sais pas. On y sera avant l'hiver? Je ne sais pas. C'est bon, c'est bon. Il ne voit pas. Je tire. Attends mon signal. D'autres regards! De menace, les effets pointent vers les ennemis hors champ. L'indicateur doré signale un ennemi proche. Annonce une attaque imminente. Une attaque en violet annonce un projectile à l'approche. Encore des ennemis! Souffler!
comment c'était? Je t'ai aidé? Si tu veux m'aider, fais diversion. Distrais ceux dont je ne peux pas m'occuper, mais uniquement si c'est sans danger. Je peux le faire. Atreus. Bien. Il y a un campement de Jotnar là-bas. Des Jotnar? Des géants. Tu sais lire ces inscriptions? Certaines. Uniquement les langues que maman connaissait. Bienvenue au Jotnar. Le Jotnar avait son campement ici, des géants, c'est près de la maison, mais il y a des... Il y en a combien? Il y a de ça combien de temps? Mais elles se ressemblent toutes, alors parfois j'arrive à comprendre, même si je les ai pas apprises, tu vois. Ok, GG. Atreus. Autre chose? Espace des tirs, la vitesse te fait perdre en précision. Compris. Hé, on dirait qu'il y a un coffre là-bas. Bing. Gros coffre. Oh. Attaque runique rapide. Soudaine explosion d'énergie qui interrompt et renverse tous les ennemis à proximité. Attaque runique, vous détenez la gemme d'attaque runique baiser de Hell. Les gemmes runiques vous permettent de personnaliser les armes et d'effectuer des attaques runiques rapides et puissantes. Allez dans l'onglet des armes pour insérer les gemmes runiques dans les emplacements prévus à cet effet. Défilé. Baiser de Hell. Chaque attaque runique dispose d'attributs et un temps de récupération. Utilisez l'XP pour améliorer les attaques runiques. Leurs attributs seront ainsi augmentés. Appuyez sur équipé. Bon, les attaques runiques équipées sont indiquées et le symbole E. Appuie sur B pour revenir à nous. Ok. Cool. Lui aussi, il veut ma cave. Les ennemis étranglés par Atreus subissent plus de dégâts. Let's go. Tenue de deuil noir portée par Atreus pour rendre hommage à sa défunte mort. Nice! Fait que le match, elle a un pouvoir! Demain. Wow, comment t'as fait ça? Ah, t'es impressed, le jeune? Je pense qu'on peut aller par ici. Un gros niveau des choses. Vas-y, ça fait vas-y. Un flash. Ping. Voilà la montagne! Allons-y! Attends! C'est cool. Tu vois? Boum. Père, aide-moi! Accroche-toi! Fils! Stupid ass! Je glisse! Reste calme! J'y suis presque! Oh, mamma mia! C'était pas si mal? Calme-toi. Ton empressement nous tuera. Désolé. Comme tout le monde autour là. Aïe, 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 aïe. Beaucoup de gens là. Oh, encore des drogards. Mais ceux-là bougent pas. Ils sont morts. Enfin, plus morts. Atreus. Ils sont pas morts, ils sont pas morts. Il y a
niveau de difficulté. Les niveaux de difficulté des ennemis est représenté par la couleur de leur jauge de santé ou les chiffres situés à côté. La couleur des jauges de santé des ennemis varie du vert au violet en fonction de leur puissance comparée à celle de leur épaisse. N'oublie pas, la précision avant la vitesse. Main nu. Étourdissement au but. Qu'il y avait de ça, c'est ça que le bruit qu'ils font. Les yeux dotés. Ça donne un peu d'XP. 127? Ah ouais, quand même, pour 1. C'est sûr que je trouverais pas les 51, là, mais ça se prend bien, ça, 157 d'XP. Impressionnant, quoi. Lila. Oh, c'était une sorte de marché. Les géants se rassemblaient ici pour commercer avec les dieux, il y a très longtemps. Je me demande si Odin est venu ici. Au-dessus de nous ! Quelque chose brise le mur ! Il y a quelque chose derrière le mur ! Oh ouais ! Je batte mon chum.
des résistants, eux autres, là. Ok, ok. Regarde! Il y a une ouverture là-haut! Oh! Tu entends? Qu'est-ce que c'est? On verra bien. Ne t'éloigne pas. Mais qu'est-ce que c'est? On s'approche du champ bizarre, alors? It does. Oh, ouais, hein. Revenant de venimeuse. Voyons, ça me pique demain. En bas. Je comprends toujours pas pourquoi cet homme t'a attaqué devant chez nous. Je te l'ai déjà dit, je ne sais pas non plus. Alors c'est comme ça qu'on descend. Ah ouais. Oh lui. Salaire. Yes, sir! Niveau 3, c'était pas pire, hein? Qu'est-ce que c'est? Comme ça. Bon. Un de l'or d'Aegir, argent, acier doux de Svartfalheim. Fait des bulles. Plouk. Une minute. Et si les revenants ne se déplaçaient pas seuls? Et qu'il y en avait tout un groupe qui nous attendait là-haut? Et qu'elles étaient vraiment en colère? Atreus. Pardon, j'ai trop d'imagination. C'est quoi là-haut? Il faudrait qu'on arrive à remonter là-haut. Mais comment? Suis-moi. Regarde!
Plus tard, t'as dit que ces gens essaieraient peut-être de nous détrousser. Je les tuerais s'ils essaient. J'ai pas peur. Si on rencontre des hommes, tu resteras à l'écart. C'est compris? Mais je peux me battre maintenant. Tu resteras à l'écart, Atreus. Un point, c'est tout. C'est quoi ça là-bas? Oh, pour la colère spartiate. Oh, les, c'est vrai. Hey! Ow, 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 yo! Pas mon cham. Il en viendra d'autres. Ok, ok. Me débrouille, papy. Ah, va, va. Colère facile, c'est cool. Kaboom!
Encore un de ce côté. Ça dit que son nom est Rungnir. Mère m'en avait parlé. Un guerrier géant fait de pierre. Il la prépare à une grande bataille, on dirait. Odin Ila, Thor, et même le Serpent Monde. Oh! Thor a dû lui fracasser la tête. Tu vois? Mais là, il est écrasé sous le corps de Rungnir. Idiot. De l'XP. Voilà, net de l'XP. Atreus. D'accord. Atreus qui peut prendre ça. J'ai déjà vu ce langage. Nouveau parchemin. Svartland scellé. Le royaume des nains est sécurisé en échange d'une protection contre le rôdeur et les Hains. Ils ont cédé le contrôle de leur frontière à Asgard. Grâce à la prévoyance de nains, les Vannes ne peuvent compter à l'aide des Svartalfheim. Les elfes sont suffisamment distraits. Tout se passe comme prévu. Le gardien corbeau. C'est ça. Ça va être bizarre. Ok. Un morceau de gâteau? Ah ouais? Ok. Une rune là. Parfait. Il doit y en avoir un peu. Manque une. Tous ces morts, tu penses qu'on sera en sécurité? Tu penses que c'est plus sûr ici? Regardez. Préparez les feux. Zygmunt, des couteaux. Tant de jours sans viande fraîche. Viande? Qui, nous? Reste derrière moi. Et s'ils se transforment comme les autres? On va devoir les maintenir en vie. Taillés dans la viande, morceau par morceau. Laisse-moi m'occuper d'eux. Les canons! Il a tué... Attendez! Bande de cadres.
Ouais, il a piqué dans la face. Atreus! Atreus. Fait sa face. Une longue route nous attend. What? Ça devient des bonhommes de rire. Reste ici. Je m'en occupe. Les flèches. Hey! D'ici. Alors ressaisis-toi. On doit trouver la sortie. Ici. Trouve un moyen de me hisser. D'accord. Atreus, la chaîne. La chaîne, oui. Tu réfléchis trop, mon garçon. N'y pense plus. Il t'aurait tué. Je sais, j'avais pas le choix. Je comprends, c'est juste que... Dans ce cas, nous allons rentrer. Quoi ? Abandonner si vite, alors que nous venons de partir. Non, j'abandonne pas. Je peux le faire. Il faut juste que je... Enfin, que je reprenne mes esprits. Monte. Je suis prêt. Monte. Je suis prêt. Écoute-moi. Pour bien se battre, un guerrier doit être sans pitié. La route qui nous attend est longue et semée d'embûches. Elle n'est pas faite pour un enfant. Alors sois un guerrier. Je comprends. Qu'est-ce que t'attends de vous, gros tas de viande?
C'était pas le bon chemin. Je pensais que c'était le bon chemin. Je t'envoie. Mais qu'est-ce que tu fais? Avance! Allez! Le visage de la peur, nouvel ensemble d'artefacts. Nous avons trouvé un effreux masque dans la portion dangereuse de la rivière et si on en trouvait d'autres, il y aura peut-être quelqu'un pour les acheter. Ok, là je suis au niveau supérieur de cette bombe là. Cette zone. Bon mon gars, t'as la deep press mon chum. Damn. Lâche pas, on vient de commencer notre voyage. Mais qu'est-ce que tu fais? Avance! Allez! Pas moyen de faire traverser le pont à cette saleté de bourrique. C'est parce qu'elle a peur de quelque chose là-bas dans les arbres. De quoi tu parles? Père, lance ta hache dans ces arbres de l'autre côté du pont. Ceux avec le tronc blanc. Tu avais raison. Hey, tu m'as l'air sacrément futé, mon petit gars. T'es bien un petit gars, non? Elle a un nom? Aucune idée. Cette sale bête m'a jamais demandé le mien, alors j'ai pas demandé le sien. Et toi? Brock. Brock. Vera Logan. Tu sais, tu vas sûrement pas me croire, mais cette hache que t'as là, eh ben c'est moi qui l'ai faite. Moi et mon frère. Une de nos plus belles réussites. Alors laisse jamais personne y toucher en dehors de nous deux. Tu dois la manier avec grâce, si t'as pas envie de l'esquinter. Je peux y jeter un œil et te la peaufiner maintenant, si ça te tente le balèze. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Tu avais raison. Je ne te crois pas. Viens, mon garçon. Il y a une rune qui a la forme d'une fourche en bas du manche. C'était notre marque, mon frère et moi, avant qu'on se sépare. Regarde, j'en ai une moitié ici. Alors, tu veux que je l'améliore, oui ou non? Très bien. Tâche de ne pas me décevoir. Mais où est l'autre moitié de la marque? Ah, c'est mon imbécile de frère qui l'a. Mais c'est moi qui ai tout le talent. Regarde. Bon, dites-moi ce que vous avez trouvé. Amélioration d'armes, bienvenue dans l'atelier de Nain. Ici, vous pouvez améliorer les équipements que vous votez des déchets ou en fabriquer de nouveaux. Appuyez sur pour accéder aux mini-améliorations. Brock vous a donné des flammes de glace, c'est une ressource rare. Les ressources trouvées dans le monde vous permettent de fabriquer des équipements et les améliorer. Appuyez sur pour sélectionner la hache du Léviathan. L'équipement de Kratos dispose de niveaux de puissance et des stats améliorés. La hache peut augmenter ce niveau ainsi que la force afin d'accroître la puissance globale de Kratos et ses stats. Les niveaux de puissance et les stats de Kratos seront affichés ici. Appuyez sur 1 pour afficher la description. On peut augmenter les dégâts infligés par les attaques runiques en augmentant les runes. On peut réduire le temps de récupération des attaques runiques en augmentant la récupération. Chaque stat confère un avantage en combat, puis un niveau sûr pour masquer. Quand vous améliorez un objet, les niveaux de puissance et les stats obtenus s'affichent sur la carte d'objets sont aussi reflétés sur le tableau de stats de Kratos. Améliorer une arme de façon permanente permet d'augmenter ses stats. Au début, vous équipez d'autres objets pour influencer les stats. Les ressources nécessaires à l'amélioration d'un objet sont affichées en bas. Maintenez X pour améliorer. Oh. Les nouvelles compétences sont disponibles dans l'onglet compétences. La hache est passée au niveau 2, trouvez une autre flamme de glace pour poursuivre l'amélioration. En améliorant vos armes, vous débrouillez les nouvelles compétences pour les acheter dans l'onglet compétences du menu pause et puis sur
fabrication, vous pouvez fabriquer de nouveaux équipements. Tunique d'épiard. Moins 8 plus 4. Attends, j'ai pas le cuir de sanglier. C'est moins bon à date que mes armures que j'ai déjà. Ok. Les ennemis en l'air subissent plus de dégâts. Les ennemis étranglés par les trucs subissent plus de dégâts. Assistance de pierre. Permet à Triss de trouver des pierres de guérison quand Kratos est blessé. C'est cool. Vous avez pensé à autre chose? Oui, mon garçon! Augmente les dégâts des flèches et débloque l'échec de compétences pour l'arc de sœur. L'acier puis l'argent. Nouvelles compétences sont disponibles. Good. Qu'est-ce que ce sera? Acheter, vendre. J'ai perdu. Et ne regarde pas, mais nos amis qui se cachaient dans les arbres sont de retour. Allez, c'est le moment de tester ta hache. Ah ouais. Il y a de la place pour moi? Ouais, tant que tu casses rien. C'est passable. Ce chemin, il mène à la montagne. C'est la bonne direction, oui. Tu veux racheter un œil à ma marchandise? C'est bon, entrez. Tant pis pour la tranquillité. Bonne chance avec tout ce saccage. Brock. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi ton frère a la moitié de votre marque? Parce que je veux plus jamais travailler avec ce lèche-botte. J'allais pas le laisser l'utiliser tout seul, et lui non plus. Alors, la seule solution, c'était de couper la marque. 50-50, pile au milieu. Viens, Atreus. J'arrive. Je suis rendu en haut. XP. Coffre. Chaîne. Tu m'as laissé me battre seul. Oui. Les hommes, c'est une chose. Tout le reste, tu dois le combattre. Jusqu'à ce que je t'arrête ou qu'on soit mort, c'est compris? Fais un effort ou on rentre à la maison. J'ai compris. Bien. Revenu ici. Effectivement, on est revenu ici. Un peu vite par là. Eh ben, il run incroyablement bien, il est magnifique, il est toujours aussi fun, incroyable, même mis en vidéo. Ça va être un vrai parti plaisir de continuer bien. Ça. Ravi de t'avoir rencontré, Brock. Je vais réfléchir à un nom pour ton animal. Et si je l'appelais Grand Chauve Ingrat? Hé! Grand Chauve Ingrat! Viens là! Ça me plaît bien! Moi aussi. À cause de moi que tu dis ça, hein? Pas par ici. Hey. Ah, oh, je l'avais même pas vu. Visage de la peur, deuxième masque.
squelette ici. Je pense qu'on peut aller par ici. Par ici. Sir. Ok, faut pas je call back ma hache. Attends-moi ici. Get kaboom! Ah, je peux monter. Oh, bien vu. Une autre masse. Il est plein de quoi là. Ouais, ben ouais. Je n'ai pas l'intention de nous laisser mourir. Et de une. Oh. Retour à la case départ.
Ok, mais j'ai un coffre et une rune. Là. Ça veut dire qu'il y a une autre rune. J'entends un bruit en haut. Ah, le coffre est là. Pas ici. J'ai fait une petite peur. Une rune. On peut s'en aller d'ici? Ah! Par la boue! Wouhou! Attends, je comprends pas là. Y'a du big loot right here! Oh yeah! Oui? Another corn! Une guerre d'hydromel sanglant nécessaire à l'augmentation de votre rage maximale. Ah! Même chose, il en existe 9. Let's go! Oh oh! J'avais jamais vu la montagne d'aussi près. Elle paraît si grande. J'aurais voulu que maman voit ça. Je crois qu'elle l'ait déjà vu. Allez, viens. Regarde ça! Qu'est-ce que c'est? Atreus! Regarde! Il y a des runes sur le côté! Qu'est-ce que ça dit? Ça dit ce que nous sommes à deux, à trois, mais que je ne peux être seul. Une énigme? Il y a peut-être un indice quelque part. J'ai l'impression que ces cercles devraient tourner. Les cercles tournent! Redescends! Toujours pas. Non, c'était pas le bon. Je crois que cette partie est en place. C'est juste les mini. Atreus.
Que disent ces runes? Oh, ça dit famille. C'est pas un indice, c'est la réponse. Ce que je ne peux être seul. Tu vois? Prends ton couteau et trace les runes dans le sable. Vraiment? Kinslow. Kinslow. Il s'est passé quelque chose! Hey, hey, il a rien. Ça a marché! Check-moi pas! Nice. Tiens, toi, je suis content d'avoir rencontré Brock. Mais je suis encore plus content de quitter cet endroit. C'est derrière nous maintenant. Oh non. Des pistolets de blind man partout. On l'a juste à la collection. J'ai un autre artefact. Il y a quelque chose là-haut. Qu'est-ce que t'es là-bas? Hey bird. Damn. Il s'entend crier. Atreus. Oh, regarde ces traces. Peut-être un sanglier. Je suis pas sûr, mais je le trouverai. Vas-y. Les réflexes d'un guerrier doivent toujours rester affûtés. Le chemin du voyage vers la montagne. Oh là là. Oh!
Ah! Aïe aïe aïe! Oh! Oh my god! Ça fait un peu peur parfois! Elle les a tous eus! Mais il y a un à manger! Attaque unique, attaquer des zones dévastatrices qui gèlent tous les ennemis présents dans le rayon d'explosion. Là, qu'est-ce qui est écrit? Je pense qu'il y avait de la vie, est-ce que... Les Nornes. Le destin. Alors elles ne peuvent rien apporter pour eux. Ok. Viens voir ici. Intéressant. Je devrais peut-être l'écrire. Quoi? Accepte notre sacrifice, puis s'empare de tout et délivre Midgard de la chasse sauvage de Elle. D'un sage parmi les sages dont le souffle donne naissance aux premiers hommes. Ask et Embla, nous t'implorons de nous protéger. Envoie tes nobles Valkyries pour juger les revenants. Envoie tes nobles fils Thor et Baldur pour nous défendre. Envoie des dragons pour consumer la horde glaciale. Sauve nos armes afin que nous continuions à te servir. Je ne pense pas qu'Odin ait reçu le message ou alors il s'en moquait. La vie! Votre santé maximale est accrue! Oh yeah! C'est beaucoup en plus! Atreus, j'attends ton animal devant. Je savais que c'était un sanglier. Oink, oink. Qui avait fait ici tout. Du bidou. Il y avait juste du bidou. On prend encore un oiseau. Ah! Où est-ce qu'on va maintenant? Dans la grotte, chercher le sanglier. Tire quand tu es prêt. Bande ton arc fermement. Le cuir des sangliers est épais. Mais je l'ai touché pourtant. J'ai fait comme t'as dit et la flèche a ricoché. C'est un sanglier magique? Qu'en penses-tu? C'est le sanglier le plus étrange que j'ai vu. Alors rattrape-le. Je t'entends, oiseau.
Reste sur tes gardes. C'est encore ces hommes ? Non, autre chose. Certains trésors appartiennent à ces créatures étranges. Ils se sont peut-être battus. Wouah. Comme un malade. Regarde, il s'est faufilé sous le pilier. C'est vrai, t'as essayé les deux vidéos que t'as envoyé tantôt. Il marchait pas. Ça a jamais voulu marcher. Là, j'ai oublié de te le demander pour les voir. Ce sera pas bien long. 2h07, ma vidéo est finie. Ah non, il a tué. Ouais. Ne le perds pas de vue. Il a touché le couchon magique. Ton couteau. Dégage la mouche, c'est quoi que tu me veux. Witch. Atreus. Canette, là. Où es-tu? Dépêche-toi, père! Je l'ai trouvé! Dépêche-toi! Atreus! Attends-moi, Atreus! Il était à quelqu'un. Il n'est pas à moi, c'est mon ami. Le garçon ne faisait que m'obéir. Alors aidez-moi. Appuyez ici, s'il vous plaît. Appuyez, je vous dis, il perd du sang. C'est le dernier de son espèce dans tout le royaume, et vous le tuez. Vous aviez si faim que ça? Il m'entraînait à tirer. Quoi? Il s'entraînait à tirer? Je suis tellement désolée. Maintenez la pression. C'est de ma faute, j'aurais dû être plus vigilante. Il va mourir? Je ne le laisserai pas mourir. Vous, la flèche a probablement sectionné une artère. Trouvez les deux extrémités et maintenez-les. Commencez par le côté gauche. Maintenez-le bien. Le côté droit, maintenant. Tenez-le bien. Maintenant, rapprochez-les. Alignez-les. Sunan Vokan.
Vous êtes une sorcière. Je ne peux pas finir l'incantation ici. Ma maison se trouve derrière ces arbres. Vous allez le porter. Il ne faut pas qu'il meure. Bien. Il a l'air stable et apaisé pour le moment. Graisse. Par ici. Waouh. Cet arc est un peu grand pour toi, non? Ma mère me l'a fabriqué. Elle a dit qu'il m'irait plus tard. Je ne t'ai jamais vue dans ces bois. Tu dois beaucoup lui manquer. Elle... elle est morte. On emmène ses cendres sur le plus haut pic des royaumes. Ses cendres? C'était son dernier vœu. Atreus. Je suis vraiment désolée. C'est ici. Vous vivez dans un arbre? Pas dedans. En dessous. Emily! Regarde! Il est gentil. Atreus. Faites-moi confiance, il ne craint rien. Il est inoffensif. Vite. Posez-le sur ce symbole. Surveillez-le. Vous vivez seul ? C'est mieux ainsi. Mon père non plus n'aime pas trop les gens. Atreus. Quoi ? C'est vrai. Tenez-le bien pour qu'il ne se fasse pas mal. Bien. Doucement. Repose-toi. Il me faut deux choses. Il y a des racines rouges qui poussent derrière la maison. Tu peux m'en cueillir un pied ? Quoi d'autre? Écoute. Je sais que tu es un dieu. Pas de ce royaume, mais je sais que j'ai raison. Il ne sait rien, pas vrai? Sur votre vraie nature, ou la sienne. Ça ne te regarde pas! Les dieux de ces royaumes n'apprécient pas beaucoup les étrangers, crois-moi. J'en sais quelque chose. Quand ils te trouveront, et ça arrivera, ce ne sera pas une partie de plaisir. Le garçon exigera des réponses. Ça, c'est mon problème. Quoi que tu caches, tu ne pourras pas le protéger éternellement. Mais tu as raison. Ça ne me regarde pas. J'ai aussi besoin de cardamine. Une fleur blanche qui pousse dans le jardin. Une poignée suffira. Très bien. De la cardamine. Ouais. Wow. Ouais. C'est le même dehors. Non, c'est pas le même dehors. La cardamine. Je t'en prie. Il faut faire vite. C'est bien bizarre. Désolé, madame, je sais qu'il faut faire vite. Mais ma vidéo va se terminer ici. Donc on va être rendu à aller chercher. La cardamine. C'est une rune, c'est vrai. Enclume d'Ivaldi.
permet de déverrouiller une attaque supplémentaire en appuyant sur RT après la frappe initiale. Maintenez LBRT, attaque de zone de FS qui gèle tous les ennemis présents dans le rayon. En clou des Valdés. Compétence? Oui, c'est vrai, hein? Ah, le combat au bouclier! Il l'a pour vrai! Je m'en rappelle plus de celle-là! Comment? Ah, c'est le même! Rage combative, ça c'est en rage partielle. Mais sinon, ça c'est quoi? Appuyez deux fois sur LB pour briser la garde de l'ennemi. Ah! Ping! Ça c'est cool, nécessite défense. What's ça? Ah non, bonus supplémentaire, produit à l'impact une grande explosion percutante qui projette l'ennemi en l'air. Ah. Inflige une explosion percutante à portée moyenne, inflige des dégâts d'étourdissement supplémentaires. Mais nu, appuyez sur RB pour inverser vos ennemis et leur infliger des dégâts d'étourdissement modérés. Dang! Bang! Lors d'une esquive à main nue, maintenez L vers l'avant et appuyez sur RB pour effectuer une attaque rapide. Ajoute une explosion percutante à portée moyenne et finit des dégâts d'étourdissement supplémentaires. Oh, on peut monter l'étourdissement à côté! Appuie sur RB après avoir bloqué une attaque au dernier moment pour contrer avec un puissant coup de bouclier. Appuie sur RT après avoir bloqué une attaque au dernier moment pour concentrer une frappe du bouclier. Cette compétence ne dispose d'aucun bonus supplémentaire. Ok, fait qu'après, tu fais RT, fais une frappe au sol, damn! Bloquer un projectile au dernier moment, absorbe l'impact et renvoie le projectile à son émetteur. Oui! Oui! 3000! Ouais! Direct! À main nue, maintenir RT pour effectuer une frappe de bouclier et infliger des dégâts d'étourdissement modéré. Maintenir RT. Ting! Ping! Boum! Ah, ça fait une... Ah, ouais. Changer de posture en marquant une pause après une attaque à main nue. Une fois dans la nouvelle posture, puis sur RB. Effectuer un puissant percut. Puis annuler sur RB pour enchaîner. Donc, ok, tu fais une nécessité de la vitalité. Augmente la résistance aux interruptions pour cette attaque. La résistance aux interruptions, ça c'est hot. Lors du sprint de main nue, appuyez sur RT pour effectuer un puissant coup d'épaule. Dans un sprint, appuyez sur RB pour effectuer un puissant coup de poing. Wouah! Moi, je veux ça. Attends, ça va faire un uppercut rapide pour me rapprocher. Donc! C'est cool, ça! Nice! Et je sauvegarde quand même. Option. Sauvegarder. Sauvegarde manuel. Et voilà! C'était la première vidéo de God of War.